La ronde des villages se poursuit dans le Gers, dans le petit village de Corneillan, où je vais rencontrer le nouveau maire de la commune, Pascal Carreau. Donc, bonjour Pascal Carreau. Enchantée de découvrir un nouveau maire ici dans cette commune de Corneillan, donc petite commune gersoise. La question qui me vient là à l'esprit, c'est pourquoi vous avez voulu devenir maire de cette commune? C'était pas un souhait, c'était pas un projet de devenir maire de la commune. On avait des difficultés pour avoir des candidats en fait. Oui. Et donc au final, je me suis proposé pour remplir ce rôle-là. C'est mon premier mandat en tant que maire. C'est aussi mon premier mandat en tant qu'élu. D'accord. Donc c'est pas forcément très facile, mais c'est passionnant. Et donc en tant que nouveau maire, quels sont vos projets pour les années à venir sur la commune? Alors déjà, on aimerait bien sortir de cette période problématique par rapport au lien social. On est dans une commune où il y a beaucoup d'activités, notamment avec le foyer du village, les associations. Et tout ça est bloqué depuis presque un an maintenant. Et donc le premier projet, c'est de pouvoir relancer vraiment la vie locale dès qu'on en aura la possibilité. Ça, c'est un projet qu'on espère assez immédiat et rapide. Après, sur la commune, on a peut-être un agrandissement de l'école, un préau à construire, enfin, des choses à faire autour de l'école. Des choses autour de l'éclairage public aussi. Donc ça, c'est dans les projets les plus immédiats. D'accord. Il y a combien d'élèves à l'école de Corneillan actuellement? Actuellement, ils sont 22. D'accord. Mais c'est une petite école, oui. On souhaiterait la grandir. Voilà. Et actuellement, quelle est votre philosophie du moment? Alors, moi je suis très optimiste par rapport à la vie du village, parce que il y a une vraie vie du village. On va dire que ma philosophie du moment, ça va être l'optimisme. Beaucoup d'optimisme, on va en avoir besoin. Comme vous dites, bah c'est je crois, une très belle philosophie qu'on n'entend pas assez, mais bravo en tout cas. Juste une petite question, là on enlève la casquette de maire, je crois que vous m'avez dit que vous aviez un groupe de musique. Alors je suis musicien. Moi. Vous êtes musicien? Depuis très longtemps. D'accord. Et depuis une vingtaine d'années, on a un projet musical. Mmh. Sur lequel viennent se greffer des gens, d'autres musiciens, un peu évolutifs. Et donc ici au village, on a eu l'occasion de jouer quelques fois. Et quel est le style de musique? Le style de musique, c'est, on va dire, pop rock. D'accord. Et le nom du groupe? Le nom du groupe, c'est Strange Paper. Merci beaucoup en tout cas avec pour plaisir. Votre accueil dans la commune et à bientôt. À bientôt.